Voilà, et bonsoir à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de Réquité par l'Arc. Ouais, déjà 10e, c'est cool, ça fait déjà un mois et demi finalement, donc c'est plutôt sympa. J'espère que vous allez tous bien. Yop, Christophe, yop, Martalus. Alors, au programme ce soir, et ben, je vais continuer à level up tranquillement mon maraudeur. Donc, la semaine dernière, on faisait de la 50 plus, hein, je crois, on a dû faire la 50 et quelques. On va essayer de monter, on va essayer d'aller jusqu'à 60, mais on verra ça. Comment va la gorge? Pourquoi la gorge? Je suis surtout en train de prendre la mallette. Il reste. Allez, go! Hop. Tac, tac, tac. Donc, hangar. Donc, voilà le vaisseau tel qu'il est actuellement. Donc, j'ai des pièces 44, je crois. Ouais, ça dépend lesquelles en fait. 42, 54, 38, 42, 46. Ah, c'était 2 semaines alors. C'était plus de voix pendant une semaine ou deux. Ah oui, non, mais c'était un petit bout de temps, genre, c'était 2-3 semaines. Hein. Mais en tout cas, maintenant ça va mieux. Mais en gros, avec les médicaments, c'est passé en quelques jours. En 2-3 jours, c'était quasiment réglé. Allez, on va se faire une 52, on va voir. Bon, sachant que la 50K, je l'ai passée, mais j'étais pas non plus l'argent, donc on va falloir farmer pas mal. Ah, par contre, là j'ai un problème, c'est qu'il va falloir que je relance le jeu. Pour la simple et bonne raison que ma manette était pas branchée en fait. C'était mon stick arcade qui était branché, du coup ça merde. Hop, je relance. Et comme ça, vous voyez l'intro, ça c'est classe. Du coup, vous la voyez jamais d'habitude. Yo le crime. Allez go, c'est parti ce coup-ci pour de vrai. Donc j'ai dit 52, 52 c'était bien. Allez go. J'espère que le jeu va être gentil avec moi ce soir là, parce que j'ai remplacé une journée de merde aujourd'hui. Ah bah déjà si je me cours de touche ça peut aller. Il appelle au zéro. Du coup j'espère que le jeu va être gentil quoi, sinon c'est possible que je rage quitte rapidement quoi. Merde, oh là là. Oh, ça sent la mort, non? Ah, peut-être pas finalement. Donc ça fait partie des nouvelles boulettes, hein, les boulettes vertes qui se divisent.
Le pic Zephyr qui est magnifique, ouais, je l'ai vu vite fait, j'ai vu dans mes notifications, j'ai pas eu le temps d'aller voir si je devais lancer, mais. Oui, non, mais ça va quand même, quoi. En vrai, le seul truc, c'est que c'était une journée de merde et c'est pas réglé, quoi. Donc ça veut dire que demain, eh ben, ce sera quand même la galère. Oh, elle est bien cette salle. Bon, il me faut 119 en power, mais elle est bien cool, hein. Je fais du Reaper Skill, donc j'ai rien à secouer, mais. C'est vrai que les boulettes vertes ne se divisent pas deux fois, effectivement. Ouais. Yo, Brosaf! Non, mais je l'ai vu quand même, hein, là. Je l'ai vu quand même, ça pique avec le fameux j'ai dû mourir 10-15 fois, quoi. Mais tous les montages de Fear qui sont rigolos. À chaque fois, il y a des bonnes idées. Merde. Enfin, zut, pardon. Je vais fermer un peu la 52, elle est pas trop longue. Ça me paraît pas mal comme compromis pour ce stuff un petit peu. Ah merde! Alors après, pourquoi. Ouais. Alors pour apprécier pleinement l'image, en fait, il faut avoir le contexte hein, quand même. C'est que. Donc en ce moment, je joue à Black APOE. Et je sais plus qui m'a demandé combien de fois j'étais mort. J'ai dit, oh, bah, je sais pas, j'ai dû mourir, je sais pas, peut-être 10-15 fois, un truc comme ça. Et du coup, là, je fais slash death, et en fait, j'étais mort 29 fois, je crois, depuis le début de la ligue. Donc, forcément, les gens se sont moqués. Les gens sont méchants. Et yo, Arty, comment ça? D'ailleurs, si vous cherchez des streams, des fois il y a Arctic qui stream et il fait des trucs cool, hein, genre du Marvel Heroes, ou, la dernière fois il faisait du Bastion. N'hésitez pas à les former, jetez un petit coup d'œil. Hein. Mais il y en a un deuxième, quand tu n'as plus un encore en fait. Ah merde, ah, c'est pas bon ça. Je m'en sors pas trop mal. Et d'ailleurs, il a streamé du Drifting Lands. Il est bon ce con. Non mais en plus il a fait plein d'autres montages par le passé. Je pense que tu vas dans son Twitter et si tu regardes des images de Fear qui t'as plein de montages à la con et à chaque fois il y a une histoire derrière évidemment quoi. Sauf quand tu streams. De quoi quand je stream? Tu parles de quoi Krim? Et sinon ouais non ça va bien. Enfin, comme je disais journée de merde mais c'est pas bien grave. Hein. On verra demain. Peut-être qu'une main sera réparée, mais je le sens mal pour demain aussi, quoi. Donc je pense qu'on peut dire journée de merde et sûrement suivi d'une autre journée de merde demain, quoi.
On va vendre tout ça. Ah, pour aller sur le stream. Bah, de toute façon, là, c'est qu'il stream pas, donc c'est bon. Mais lui, sinon, on vous barrez pas maintenant, hein, déconnez pas. Hein. Ah, je pourrais avoir une engine plus 24 en skill power. T'as par contre, je perds 13 en struct, c'est chier ça. Ah non, mais en pourcent de chance de faire l'auto-retreat, c'est pas possible ça, monsieur. Énergie, ça j'en ai mieux. Truster avec 110 en 9, je les aurais jamais. Tuer le Gatling. Donc le truc, faut toujours passer chez le marchand parce qu'il peut avoir potentiellement des trucs super intéressants, quoi. Donc vraiment, le marchand, ça vous aide à vous stuffer. Hein. Il y a des jeux où ça sert à rien, mais pas celui-là. Bon, moi, ce qu'il me faut, c'est il me faut 119 en power, donc il me faut 14 points, quoi. Autant dire que ça me coûtait la blinde. Et salut Alex. Eh ben écoute, on shoot des ennemis, on récupère de la thune. Bon. Tac, Sword of Tingland, voir ton stream dessus, c'est rageant. Bah, faut mettre des coups de fouet à Christophe pour qu'il passe plus vite. Hein. Sachant que là, avec le 3, c'était. Enfin, c'était pas en pause, mais ça avançait beaucoup moins vite. Dès la fin de le 3, ça va reprendre à fond, je pense, le développement. J'ai fait un début catastrophique là. Normalement, d'ici une semaine ou deux, il devrait y avoir les nouveautés, je pense. Il y a Alain sur Twitter qui avait teasé le retour de la deuxième faction. Oh la vache. Mais non! Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ah, pose miam là, j'ai cassé ma, je me reste juste 100 cake et j'ai tous les rewards. Le craquage quoi. Enfin, en même temps, pour l'instant, le craquage, je crois que Fear qu'il est pire. Hein. C'est Fear qu'il a fait cosmique. Il a fait prestige cosmique donc. Donc rien que pour ça déjà. On est tellement pris par le 3, c'est fou que ça prend du temps d'avoir le stand central de l'expo. Comme ça la ronfle. Ah mince, ouais, j'ai fait nimp. Oh là là. Pour le stream, la date qui monte, bah ouais, clairement. Waouh. Ah bah voilà, donc ça c'est l'aura qui bouffe le focus en fait. Mais je pense qu'il va y en avoir un deuxième là, ouais, j'en étais sûr. Ah mais j'arrive jamais à le tuer. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Je suis débile, j'ai oublié de bouger. Au moment où il a retiré, j'ai pas bougé, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, on va tester 53 ce qu'il y a. Bon, 53 c'est pareil, c'est un niveau pas trop long et qu'un boss à la fin. Et du coup, Arctic, si t'es gentil, t'auras peut-être le droit à la bêta fermée, quoi. Enfin,
Enfin, je sais pas trop quand est-ce qu'ils vont réinviter d'autres personnes. Et d'ailleurs, finalement, là, au Stunfest, vous avez filé des invites ou pas pour la bêta fermée? Non, non, là, en même temps, le jeu, là, il me troll un peu, quoi. Ah, les vagues de merde qu'il me met, quoi. Oh là là, oh là là. Mais non, mais non, mais barrez-vous, barrez. Cassez-vous. Oh, je suis tellement pas bien, non. Non! Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Ah, mais si, mais j'arrive au boss. Si, si, bah à quoi tu mets en panique en fait? Il n'y a pas qu'une en deuxième dans la foulée là parce que... Ah purée. Laisse-moi tranquille. Ouf. Et bah c'est passé, mais vraiment la rage quoi. La soirée peut et continue, c'est jamais cool. Très occupé à essayer de suivre le festival, je sais pas ce qu'elle a fait à ce propos, d'accord. Moi j'ai bien une clé sur ma main. C'est moi qui ai eu la clé bêta. Ah, mais t'avais une de clé bêta? Ah, GG! Bon, bah là, il y a Alex Kerman qui a eu une. Qui a réussi à choper une clé. 5 heures après son annonce et personne lui avait demandé la clé. Et bah, GG, ça. Ça motive à lui d'ailleurs, je pense que les collègues des stands indés lui ont foutu la paix. J'ai une idée pour le jeu. Ouais, c'est un peu tard vu le lancement et la sortie imminente, mais alors, la sortie imminente. sortie 2016, quoi. Et celui qui Kunewa. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré là? On a récupéré énergie seule. Ouais, mais celle-là, elle est beaucoup mieux. Hein. Celle-là, elle est pas bien. Ça, c'est pas bien. Un regan. J'ai quoi actuellement? J'ai un minigun. Là, j'ai un minigun qui fera un peu plus de dégâts, mais moins de structure. Ah non, puis des dégâts magnétiques, c'est nul ça. Wave Gatling, ah non, non, je vais passer là. Donc là, vu que c'est un blueprint, je vais la prendre hein, au cas où. On sait jamais hein, si un jour. Hein, si un jour j'ai envie de crafter. Toujours faire un petit tour hein, quand même, hein, même si. Donc il faut 119. Allez, encore 4 points, je pourrais mettre la cellule énergétique là qui est carrément mieux que celle-là. Faire discuter un niveau en fonction de l'altitude, en laissant la possibilité de pouvoir changer l'altitude au-delà des limites actuelles de l'écran.
Il a récupéré une clé pour une clé bêta de Drifting Land en fait à Stunfast. J'ai mis une semaine pour up mon gambit, aujourd'hui j'ai up cap de 1,60. Ah mais c'est cool Marvel Heroes, mais j'en ferai un petit peu après l'émission. Donc je pense que je vais faire une heure et demie de Drifting Lands, et après j'irai faire du Marvel Heroes je pense. Ouais c'est mort, ça demande plein de gros devs en plus. Hein. J'ai une piste au début, mais vous voulez aussi un jeu des mondes nationales. Mais il y a un shmup, alors c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un principe où en gros t'avances et si tu montes ta difficulté de monte, tu descends, c'est Border Down. Hein. Border Down sur Dreamcast, enfin sur en arcade en fait, mais il y a la version Dreamcast. Et en gros, t'as le choix, bah, c'est un système de border en fait avec des couleurs. Et suivant la couleur où tu vas, c'est plus ou moins difficile, quoi. Et ça rapporte plus ou moins de points, quoi. J'ai jamais compris comment tu faisais pour jouer aussi tard. De quoi les soirs, tu veux dire? Bah en gros, quand tu bosses et que t'as des gamins, c'est soit tu joues tard le soir, soit tu joues pas en fait, quoi. Ça c'est. Je crois qu'on peut résumer comme ça, quoi. Bravo. D'ailleurs, il est excellent Border Down, c'est un très très bon shoot'em up. Et pourtant, encore une fois, je veux dire, j'aime pas les shmups horizontaux. Normalement, en disant ça, il y a un qui devrait pas pour dire que les shmups horizontaux c'est trop bien. Là, le problème, c'est que je manque un peu de dégâts parce que je peux pas one-shot les trucs là. Mais non! Mes enfants, c'est. Ouais, ils jouent aussi, mais après, ils sont encore assez jeunes, hein. Ils ont 6 et 4 ans donc. Mais oui, si j'aurais laissé la possibilité, je pense qu'ils joueraient du matin au soir. Mais... Ah non, mais non, mais non! Surtout que j'aurais fait découvrir Minecraft, donc aller jouer à Minecraft tous les deux sur la Wii U. Tiens, hop. D'ailleurs, putain, n'importe quoi. Christophe voulait modifier cette vague, non? Avant, ils étaient à la même altitude, non? Les deux trucs qui se croisaient, alors. J'ai l'impression que c'est que depuis la dernière update qu'il y en a un qui est un peu plus haut et l'autre un peu plus bas. À moins que j'ai complètement craqué, mais... Il y a une mécanisme à base de scrolling forcé, genre tu dashes à fond à la droite et tu doubles west, tu voilà, t'es pas sorti à faire non plus. Un peu genre qu'on a pu faire dans Under Defense. Non, ouais, je vois pas trop ce que ça aurait donné, mais... Bah là j'ai rien pour taper vers l'arrière donc tant pis hein. Oh là là. Bah si elle a pas le prix de la tête celle-là, d'accord. Ouais, parce qu'il me semble qu'avant les deux elles se croisaient, enfin, c'est la même altitude en fait. Ça, c'est la pire vague au monde, celle-là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que en fait, les trucs, quand ils passent, ils sont invincibles, évidemment. Et ça rapporte aucun point. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est perdre de la vie. Ça loot rien, ça rapporte pas de points, et c'est potentiellement dangereux. Et sans cette vague-là, maintenant, avec les ennemis après qui apparaissent en haut et en bas, c'est super chiant. Déjà à la base cette vague là elle était pas facile. Normalement avec le truc qu'il y a juste avant, ça l'est encore moins. Oh merde. Oh purée.
Oh non. Oh bah là c'est mort. Il aurait fallu que je le tue sur le premier passage, il va rester quasiment plus de vie, dommage. Il y a plus de chemins verticaux ou horizontaux? Bah ça dépend. Ça dépend, en arcade t'as plus de verticaux et sur console et ordi il y a plus d'horizontaux quoi. Ouais, les missiles, ouais, j'ai hâte de voir comment ça va être implémenté. Ouais. Va leur baisser un point de difficulté, je vais en faire de la 51-52. Mais là, il manquait quasiment rien là, pour péter le boss. Le problème, c'est vu que je l'ai pas tué sur le premier cycle, et bah du coup, j'ai pris d'autres tirs. Après, en même temps, je suis en train de me dire, je devrais pas jouer comme ça. Enfin, quoi que si, au moins j'ai fait des points, quoi. Parce après, pour monter en difficulté, je pourrais prendre le passif qui fait que tu que t'as un. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Il baisse ton focus, par contre, tu prends moins de dégâts. Enfin, en gros, ça te rend invul pendant un petit moment. Pour monter en difficulté, c'est pas mal quoi. Après, par contre, pour former les crédits, c'est pas bon. Ah bah alors, dans les bons shoot'em up, enfin ceux que j'aime bien en tout cas, tu peux prendre tous ceux qui ont un KDT cave. Voilà. Donc déjà, une fois que tu auras fait tous les caves, t'auras déjà passé un bon moment. Mais non, mais n'importe quoi, putain, je fais n'importe quoi. Alors j'essaie de pas m'énerver, mais comme je disais, je suis pas... Ouais, donc par exemple, là, dans ce qui est cité de Danpachi Mushi Mesama, c'est édité par Cave. Bah, le jeu que... On va dire, mes jeux que je préfère, c'est Ikaruga. Sachant que c'est un shoot'em up, mais c'est à mi-chemin entre le shoot'em up et le puzzle game. J'adore Mushi Mesama. Alors si possible le Futari quoi, c'est le... Mais bon, il est pas sur PC le Futari encore. Mais bon, le premier il est cool aussi. J'aime beaucoup un qui est sur PC, c'est Revolver 360 Reactor. Je le trouve absolument excellent celui-là. Il y a Crimson Clover qui est génial également. J'essaie de citer ceux sur PC surtout parce que ce sera plus simple. Sur PC, il y a Gemstone aussi qui est très très bon. Ouais, j'aurais tellement pas dû l'utiliser maintenant. Mais déjà rien qu'avec cela, déjà t'as de quoi faire. Après, dans les caves, j'adore Ketsui, mais il est vraiment très dur. Ah, mais c'est un double. Ah non, mais non, mort ça, cette vague-là. Honnêtement, Christophe, je te maudis à chaque fois que je l'ai. Le double vert comme ça, avec le truc qui les rend invuls au milieu là, c'est juste infâme. Et du coup, à chaque fois, ils se barrent, j'ai pas le temps de les tuer en fait. Ce problème, c'est vu qu'ils sont invuls au début, bah du coup, tu peux pas trop les quicher. Et après, ils se barrent très vite.
Alors, papa, arrête de parler pendant que tu joues à ça et que je me suis bien craché. Ouais. Qui voit ça? CAVE, ouais. Bah, pour moi, ceux qui font les meilleurs Danmaku, quoi. Donc, ceux qui font. Donc, Danmaku, un rideau de balle, hein. Ceux où il y a des boulettes de partout, quoi. Je trouve c'est vraiment ceux qui font les mieux, en fait, je trouve. Ouais, Ikaruga, il est génial, là. Ouais. Et en plus, la zig d'Ikaruga, elle défonce, quoi. Les musiques, elles sont juste trop belles, quoi. La Blazing Star, ouais, très bien. Très bien, très bien. Ouais. Skyforce, j'ai pas essayé par contre. Non, Cinemora, c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la merde. Hein. Il faut pas. Je sais pas, attends, je vais regarder dans les shmups que j'ai, je vais te dire. Ouais, donc Crimson Clover, c'est très bien. Oh, si, Danmaku Unlimited tout. Danmaku Unlimited tout, en plus, il va pas être trop cher, il est vraiment excellent. Deux Smile, il est pas mal en horizontal. L'Exit, c'est pas mal. Donc, ouais, Ikaruga, moi j'adore. Gemstone. Kamui, c'est pas mal, mais c'est assez vieux quand même. Mushi, Mesama, très très bon. Donc, Revolver 360 Reactor, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Moi, bon, déjà, rien qu'avec ça, hein, c'est cool. Mais et du coup, il est en promo jusqu'à demain là, machin. Attends, je vais voir ce que c'est Skyforce. Non, j'ai pas testé Stradion. Alors, Skyforce, il est où? Je vais plutôt passer par le. D'ailleurs, je pose la question aux autres aussi. Alors, Skyforce Anniversary. Donc, il est effectivement en promo à 2 € au lieu de 10. Ah, ouais, bah, du coup, attends, faut que je pense à le prendre. Ouais. Ouais, ça a l'air sympa, ouais, Skyforce. Ah bah du coup, tiens, je vais le prendre. Et du coup, donc tu disais Stranien, attends, je vais aller voir. Je sais plus si je l'ai vu passer ou pas, celui-là. Je crois que je devais pouvoir le tester, mais j'ai pas dû vouloir parce que parce qu'il y avait des lolis ou un connerie comme ça, non? Ah, évidemment, la vidéo de Strania elle se lance pas, sinon c'est trop facile. T'as le lecteur vidéo de Steam, des fois il est catastrophique quoi. Ouais, non, Stranger, en fait, je l'ai vu passer, mais j'ai pas voulu faire le test. Je le sentais pas. Non, maintenant, c'est, je me rappelle, j'avais vu la vidéo, mais ouais, je le sentais pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, il est toujours catastrophique, Yotaz. Alors, est-ce qu'on peut monter à... Ah, encore deux points. Il manque encore 2 points là pour ça. Allez, go. Bon, Taz, t'avances un petit peu là sur PoE ou pas? Toi, bestiaux, tu sais programmer pas des jeux, non?
Je sais coder un peu, mais... Bah, à la base, j'ai une formation là-dedans, mais... J'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai rien fait que du coup... Bon, je pourrais même me mettre rapidement, je pense, mais... Donc, vu que dans mon taf, j'ai pas l'utilité, forcément, ça se perd, quoi. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous mettre un peu la programmation, je vous conseille très fortement le site Coding Gamma, qui est plutôt rigolo en fait. Et en plus, ça vous fait bosser les algos, ça vous fait bosser pas mal de trucs, ça rend bien. J'avais commencé un peu, après j'ai arrêté parce que j'ai vraiment pas le temps, mais c'est plutôt sympa. Je pense que Christophe peut vous mettre le lien, mais... Merde. Pourquoi je suis reparti en arrière, j'ai fait non. Merci. Et regardez ce que j'ai ramassé quand même. Ça c'est nul. Et ça c'est nul. Très bien. Merci le jeu. Ta, je suis avec 4 cruels. Ok, bon, c'est pas mal. D'ailleurs, pour la deuxième fois la prophétie, pour un 5 cinq... Oh, mais c'est pas possible, quoi. Ah, bah oui, je veux bien. Pardon. Si on part de zéro, c'est bien. Bah ouais, non, ça te. J'ai que ça à foutre de faire des recherches Google. En fait, c'est super bien parce que ça va t'apprendre beaucoup d'algo classique, on va dire. Et ça va te permettre aussi de comprendre comment il faut réfléchir, entre guillemets, pour programmer, quoi. En fait, ce qui est cool aussi, c'est que en gros, t'as plein de petits exercices, t'as une partie du code qui est déjà écrit, et toi, tu dois compléter en fait. Par exemple, t'as une partie, t'as déjà des trucs qui sont codés, comme je sais pas, le déplacement du bonhomme, et c'est à toi de faire l'algo pour qu'il se déplace, je sais pas, en bas à gauche ou. Mais par contre, après, vraiment, si t'as vraiment aucune base, effectivement, oui, tu vas pas réussir à. Tu vas pas réussir à coder, je pense, mais si t'as quelques notions de comment ça fonctionne un peu une boucle, je sais pas, un peu les booléens, les conditions genre if, then, else, des trucs comme ça, il y a déjà moyen de s'amuser quoi. Si tu connais vraiment rien du tout, effectivement, je suis pas sûr que t'arrives à faire quoi que ce soit, mais je sais pas. Mais après, en même temps, avec un petit tuto à côté, avec des bases, des machins, il y a moins de se débrouiller quoi. Le jeu était composé à 99% de gros caca, ouais. Ouais. T'as là, je pourrais gagner du shield. Alors, je perdrais de la vie. Je perdrais beaucoup de vie, mais en même temps. Enfin, beaucoup de vie, j'en sais, 158, c'est pas tant que ça. Mais surtout, je gagne plus 2 en power. Et du coup, je passerai à 19 directement. Et je gagnerai 99 de shield, 92 de shield, ce qui est quand même énorme par rapport à ce que j'ai. Pim! Et là, du coup, hop, je peux équiper directement ma cellule énergétique. Ça, c'est la classe. Paf, une engine 69 de nav, mais elle est pas terrible. Merde, j'ai plus à boire, c'est triste ça. Ça c'est pas ouf non plus. Mais là, du coup, avec la nouvelle. Et pourquoi j'ai pas vendu les... Avec la nouvelle cellule énergétique, là ça va être bon, ça va faire des gros dégâts quand même.
va faire des gros gros dégâts. Et puis j'ai un nouveau shield aussi. Ouais. Oh, ça c'est super violent. Oh, elle est monstrueuse quoi. Donc en gros, là j'ai une plaque hein, qui fait plus 152 d'armor, plus de power, de l'armor encore en plus, des points de vie en plus. Mon dieu. Oh, elle est monstrueuse quoi. Je peux pas l'acheter trois fois, s'il te plaît? Ah, oh, elle est magnifique celle-là. Bim. Ok, bon bah là c'est cool, là, on a mis un bon petit coup de boost au vaisseau, là, on a changé la cible énergétique, on a changé le bouclier, on a changé une plaque d'armure, donc et en plus on a un petit peu de thune, je pourrais mettre des points, mais je vais attendre de voir les prochains loots. Important c'est les algos, l'organisation du travail, mais ça implique d'être à l'aise avec l'idée de former tes idées sous forme de commandes stupides. Pour voir sur Open Classroom, qu'est-ce que c'est compliqué, je comprends pas comment vous les devs arrivez à venir à un. J'ai trop de mal avec la première. Hein. Retinerie dans la documentation du langage ouverte, oui voilà c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai vu les meufs qui la font. Donc là, normalement, mes compétences, elles font beaucoup plus de dégâts qu'avant. Du coup, les boss, on devrait les ouvrir en deux, si tout se passe bien. Ouais, les boss, c'est... Merde, merde. Après, faut encore arriver jusqu'au boss, quoi. Forcément, si je fais n'importe quoi avant. J'ai fait un peu. En réalité, t'es pas tenu de tout retenir dans le en volant. Là. C'est de coder des trucs qui marchent, qui font pas fondre ton PC. Oui, mais c'est après, c'est toujours pareil. En fait, quand tu veux faire un truc, bien souvent, t'as le. Y a les façons qui vont le faire fonctionner, hein, sauf qu'en fait, c'est complètement bourrin. Et après, t'as des façons beaucoup plus jolies, beaucoup plus optimisées, où au lieu de faire genre 500 requêtes, ça va en faire 10, quoi. Toi tu meurs s'il te plaît, ah, merci. Oh j'ai même pas pour tuer. Bon, ouais. Ah les petits ennemis en cercle. En fait, les seuls dangers, bah, c'est ceux-là. Ce sont les derniers qui, eux, ils vous suivent en fait. Les premiers, ils sont pas chiants, mais alors les derniers qui vous suivent, ils sont ultra relous, quoi. Enfin, relous et dangereux.
pas trop ce que ça va être comme boss. Hein. Ah bah double boss, bah bien sûr. Hein. Ok, c'est une 52, genre double boss, tu vois bien. Après j'imagine que quand il y a double boss ils ont moins de points de vie quoi. Bon après par contre j'ai récupéré plein de thunes, ça c'est cool. Je garde ça dans un coin de cerveau jusqu'au moment où j'aurai besoin. Fouille de taille. Ça Cunningham t'apprend à faire voilà ça. Hein. Ouais, faut connaître les arcanes de fonctionnement hardware pour savoir comment optimiser la mort. Pas vraiment écrire du code en tant que tel, mais ils t'apprennent à coder correctement, à réduire le temps que prend ton code à s'exécuter, ouais. Il y a combien de lignes de code environ? Wow. En fait, le problème, c'est que c'est pas que le code, quoi. C'est que t'as vraiment plein d'autres choses après, quoi. De la modélisation, enfin, plein de trucs, quoi. C'est quand même pas les trial maps. Ouais. Je sais pas, j'ai pas encore testé évidemment. Oh un ah non, shield de merde. Enfin le shield il est cool mais ah il était bien. En fait le problème du shield là c'est qu'il y a 0,8% de fail auto-retreat quoi. Ce qui veut dire qu'il y a 0,8% quand mon vaisseau explose pour de vrai quoi. Donc bon, j'ai pas bien envie quoi. Engine qui ferait plus 4 de structure. Ah, je perdrais 24% de skill power, c'est chiant ça. C'est vrai, je pourrais avoir beaucoup plus d'armure, mais bon, le problème c'est que si je fais ça, je perds beaucoup de dégâts aussi, donc. Ouais, non, tant pis. Ouais, il est pas mal, ça, il fait plus en power, plus en. Enfin, il est. Ah si, il fait plus 377 en armor. Ah oui, si, il est beaucoup mieux, sûr. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Si je mets à la place de celui-là. Si je le mets à la place de celui-là, ça me fait plein d'armor en plus. Je perds des points de vie. J'ai perdu des points de vie, mais je gagne quand même énormément d'armure, quoi. T'as l'air une question, Christophe, l'armoire qui est en haut, elle prend pas en compte ce qu'il y a en primary? Bah tu vois là par exemple sur mon objet toi il y a un score d'armor tout en haut. Est-ce qu'il prend en compte le plus 289 armor qu'il y a en primary? Je pense qu'il le prend pas.
Je pense que le armor tout en haut, c'est l'armor de l'objet, et après il a des stats qui s'ajoutent à ça. Là, il va me répondre qu'il n'en sait rien. Et voilà. Et voilà, GG. GG les mecs qui bossent sur le jeu, quoi. Bon, l'armure, elle est où? Armor 4200. Bon. Alors, du coup, si je mets ça, je devrais 4380. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Ok, donc c'est bien ce que je disais en fait. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Donc c'est bien ça, hein. L'armor qui est tout en haut, en fait, elle prend pas en compte les différents bonus qui sont en dessous, quoi. Alors 50-50. Et là, ça c'est un truc que je sais vraiment pas. Christophe, à quoi ça correspond quand je suis en survol par exemple? Pourquoi là j'ai des chiffres en rouge? Ça quoi ça. Ça. Merde. Ça fait. Ça comparait quoi en fait? Je comprends pas à quoi ça compare en fait quand je survole juste un objet comme ça. Ah mais il compare avec le premier slot en fait, d'accord. En fait ça il est comparé avec le premier slot de la ligne. Mais je vois pas trop pourquoi, enfin j'ai pas vraiment dit. Je comprends pas trop pourquoi il compare avec le premier slot quoi. C'est assez bizarre ça, j'ai jamais compris en fait le. Ouais ça c'est un bug, ouais, ok. Oui ça me plaît plus comme réponse. Sinon je vois pas trop pourquoi. Pourquoi ça ferait ça quoi. Battleborn ça te dit plus que Overwatch. Bah en fait les deux jeux ils ont rien à voir. Hein. En gros moi j'ai juste joué à Battleborn pour la partie PvE en fait. Moi j'ai juste joué à Battleborn pour faire l'histoire en fait, les missions PvE et c'est tout. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment, le PVP de Battleborn il m'intéresse pas. J'avais testé à la bêta fermée. J'ai trouvé ça nul quoi. Enfin, pas nul, mais c'est vraiment pas mon type de jeu quoi. Et en fait, là, si j'y joue les dimanches, c'est juste parce que je l'ai eu à pas cher sur Amazon en fait. Hein. Il était à 20 boules, à 20 boules sur Amazon, du coup, je voulais tester vu qu'il me faisait un petit peu de lag. Voilà. Mais je vais juste faire le PVE et puis voilà quoi. J'aurais jamais acheté à plein tarif quoi parce que. Parce que je sais d'avance que je vais juste faire quelques parties et puis c'est tout quoi. Ah non, pas sur G2A. Sur G2A, j'aurais jamais pris. Non, non, Amazon. C'était un vrai jeu, tout ce qui est plus légal. Hein, j'ai la boîte. Hein. C'est pas une clé à acheter je ne sais où et revendue. Voilà, faut éviter de tout taper parce qu'après ça met beaucoup trop de. Voilà. Ah merde.
C'est quoi une boîte? Attention Taz, attention, attention, toi qui es né dans les années 2000. Une boîte, c'est ça. Et par contre, tiens, j'ai été surpris parce qu'il y avait vraiment des CD dedans. Je m'attendais à avoir juste un truc avec un code Steam, mais non, non, il y avait des vrais DVD dedans. Bon, finalement, le jeu, je télécharge sur Steam, mais... Allez les boss, allez. Double boss, ça fait toujours plaisir ça. Putain, elle est... Non mais je fais comment pour cacher les boss si les petits se mettent devant quoi? Ah. Ah, je l'ai pas eu, je suis dégoûté. En fait, carrément, moi je bosse pas là-dessus, je suis surtout graphiste, mais il dit. Blablabla. Je juste besoin serait ce pour Konamon, j'arrive à procurer à toi. J'avais compris pour la GDZ était illégal, mais beaucoup de streamers de PGM de si. Mais PCI, non, en fait, il faut pas confondre une notoriété, on va dire, et puis l'égalité, quoi. Si demain il y a des mecs qui te revendent des trucs, c'est pas pour autant que c'est légal, quoi. C'est pas parce que tout le monde ils sont connus que voilà, c'est pas. En gros, G2A c'est illégal parce qu'il y a plein de clés qui circulent qui sont volées ou achetées avec des fausses cartes de crédit ou autre. Voilà. Donc, basiquement, quand t'achètes des clés pas chères ou des bundles, enfin, les bundles à la limite c'est légal, mais c'est de la merde, mais c'est légal. Mais globalement, si t'achètes sur G2A pas cher, c'est que tu devrais pas quoi. Après, c'est des trucs qui sont délocalisés en Asie et autres avec. Enfin voilà, c'est que de la merde, il faut pas quoi. Enfin, faut pas acheter sur tout ce qui est G2A, Kinguin, toutes ces merdes-là. Instant Gaming, pareil. Enfin, en gros, si vous achetez là-bas, faut bien vous dire que les devs ils touchent à rien quoi. Voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, je m'en fous. Hein, Et le problème de G2A, c'est qu'en fait, à force de sponsoriser de partout, bah maintenant, en gros, tout le monde a l'impression qu'ils sont super cool quoi. Et qu'ils sont du côté des joueurs parce que tu payes pas cher, c'est génial quoi. Alors qu'en fait, ça rend que de la merde quoi. Et ça me rend fou que les mecs, les gros streamers et autres, ils soient tous sponsorisés. Genre Kryparian qui a 20 000, 25 000 viewers en permanence sur son stream, il a un partenariat G2A et ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou quoi. On dispatch Shuriken que je cherche. Faut pas acheter par principe moral. Bah, en gros, de toute façon, à partir du moment où c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison quoi. D'ailleurs, si ton jeu qui a 60 boules à un endroit il est à 20 € sur G2A, c'est pas par magie quoi. C'est pas d'un coup G2A qui est sympa qui te dit oh bah non, je vais être sympa, je vais le vendre que 20. Oui voilà c'est ça, hein. Le jour où il y a des vraies lois, le jour, enfin ça arrivera jamais, hein, mais le jour où il y aurait des vraies lois de commerce, etc., bah ça serait mort quoi. Mais ouais, non, bah, ça me dépite qu'il y ait plein de grosses structures qui soient partenaires avec G2A quoi, c'est juste une aberration quoi. Mais c'est un peu le problème, hein. Ça fait partie aussi à péter les prix du marché, à faire que les gens maintenant effectivement ils achètent plus rien ou ils veulent du free to play ou autre. Mais bon, au bout d'un moment les gens ils vont finir par pleurer hein, quand ils auront plus que des trucs de merde. Bah voilà, ça sera tant pis. Hein.
Et par exemple, toi, pour donner un ordre d'idée, le jeu que j'ai streamé il y a pas longtemps, Dungeon Rushers, et bah, il est sur G2A, alors qu'ils ont jamais, ils ont aucun partenariat avec G2A, ils ont aucun, voilà. Le jeu, il est dessus, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en plus, bien souvent, G2A, ils savent même pas d'où viennent les clés, en fait. En gros, si tu les contactes, t'as vu le problème avec Sterdan. Pour Sterdan, il demandait aux développeurs d'où venaient les clés, quoi. Genre, G2A, ils savaient absolument pas d'où venaient les clés qui t'en vendent sur leur site, quoi. Et ça aussi, c'est une aberration, quoi. Quand le propre portail de vente ne sait pas d'où viennent les clés, c'est que, bon, bah, voilà, c'est globalement bien la merde, quoi. Et finalement, je crois que l'histoire, il s'était passé quoi? Je crois que c'était avec Amazon Paiement. Les mecs, ils avaient payé avec des fraud cartes, et du coup, il y avait plein de clés qui avaient circulé. Et donc, c'était tous les clés sur lesquelles ils avaient touché absolument 0 euro. Et pour savoir d'où ça venait, il a fallu que les mecs de Stardan achètent une clé volée pour voir le numéro de série et eux regarder dans leur base de registre à eux à quoi ça correspondait. Je pense que le jour où t'achètes ton jeu, enfin t'achètes ton jeu sur une clé volée, ça te fout quand même bien les boules, quoi. Mais voilà, mais personne ne fait rien parce que voilà, au niveau légal, tout le monde s'en fout et les joueurs sont contents de ne pas payer cher, donc voilà quoi. Mais bon, si un jeu aussi. Si G2A c'était deux fois plus cher, les gens ils se posaient des questions. Voilà quoi. Enfin, si c'était pas aussi peu cher, en fait, les gens se posaient des questions quoi. Là, vu que ça rend pas cher, bah du coup, tout le monde s'en fout. Voilà, ils sont contents de pas payer et puis c'est marre quoi. Mais moi, ça me. Enfin, ce qui me débête le plus en fait, c'est tous les gros streamers youtubeurs qui sont affiliés à G2A quoi. Ça me fait vomir vraiment quoi. Bidouille, pour les animations, une seule texture. Mais tous les jeux sont sur G2A, même Drifting Loan il sera probablement. Non? Ah, c'est vrai que Christophe, lui, effectivement, il allait acheter ton jeu alors que t'as jamais rien touché parce que l'éditeur s'est barré avec, oui, ça fout plus les boules, c'est sûr. Mais en tout cas, non, tous les jeux sont pas sur G2A. Hein. Et d'ailleurs, normalement, il y aura sûrement pas de clé Drifting Land sur G2A parce qu'il y aura probablement pas de vente dans les bundles ou autres, et du coup, ça devrait pas y être, quoi. Bah après, il peut y être toujours les mecs, il a toujours trouvé les moyens de contourner, quoi, mais. Et c'est cool, Chrisa, tu vas bientôt pouvoir le racheter, tu vas bientôt pouvoir le racheter sur Steam, ton jeu. Si, il le sait, Taz. Bah, de toute façon, Alain il avait fait un article. Bah, d'ailleurs, l'article il doit être aussi sur GameSize Story, il me semble. Oula, mais il y a deux boss ici. Et c'est quoi ce champ de mine infini là? Oh. En fait, le truc c'est que je veux pas cramer trop d'énergie parce qu'il va y avoir un boss. Et je me dis si je suis trop bas en énergie, je vais rien pouvoir faire quoi. Se calme alors.
Je regarde vite fait ce qu'il y a. Non. Ouais, non. Et il en parle aussi d'ailleurs, non, dans l'interview qu'il avait faite là, dans In Dev With, sur Gamekult. Bon, après, il faut un abonnement premium, mais. Mais l'abo premium, il est cool sur Gamekult, enfin, il y a des trucs sympas des fois. Bon, déjà, il y a tous les Virgil mais correct que j'aime bien, c'est rigolo. Et les cahiers sont bien foutus aussi. Hein. Le cahier sur Jonathan Blow là, au moment de la sortie de The Witness, il était vraiment intéressant. Et là j'ai pas lu celui sur. Non, 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 non! Putain, j'ai fait de map. J'ai pas lu celui sur. Ouais. Sur Dragon Quest, mais apparemment il est vachement bien aussi. Non! Non, non, non! Mais qu'est-ce que j'ai. Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Mais purée! Ah, je suis tellement pas bien. Ah, il est parti. Ah, c'est la première vague, elle m'a mis tellement mal que j'ai pas pu le latter quoi, je suis dégoûté. Mais bon, on commence à faire du point là, ça c'est cool par contre. Alors attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien comme ça, je préfère la jeuxvideo.com. Ouais, on va dire c'est deux orientations bien différentes quoi. Un secret qui doit nous rester inconnu. Attendez, j'ai reçu quoi, un lien de la bêta de ça. De gosse, c'est quoi ça, de gosse? Je regarde juste un truc là, ce que c'est là. Ah non, mais ça a l'air nul à chier ça. Enfin. Ouais, non, ça. Ouais, je le sens pas ça. Alors, en gros, j'ai la possibilité d'avoir la bêta de ça, mais honnêtement, ça sent le jeu pourri quand même. Bah, le problème, c'est que jeuxvideo.com, maintenant, c'est Webedia, hein, donc c'est clair que, qu'en gros, toutes les infos que tu vas avoir dessus. Après, ça dépend ce que tu cherches, hein. Si tu cherches des infos AAA ou autre, oui, je pense que tu auras tout ce que tu as besoin, quoi. Après, honnêtement, je le trouve même moins putaclic que Gameblog, hein, donc. Ce Gameblog, je pense que c'est vraiment le fond du fond, quoi. J'ai envie de tenter une 60. Et sinon, ouais, y a un truc que j'attends, tiens, en shoot'em up, là. C'est un truc qui sort à la fin de la semaine, normalement. C'est le Dr. Kawashima du shoot'em up. Alors, je sais plus comment ils l'ont appelé ça. Ça va être genre skill test, une connerie comme ça, ou shmup skill test. Et en gros, alors je dis Dr. Kawashima parce que c'est ça en fait. Vous avez des épreuves de shoot'em up, donc de l'esquive, de la visée, des trucs comme ça. Et à la fin, on vous donne votre âge gamer, quoi. Et ça, il faut absolument que je l'échappe. Hein.
faut absolument que je le chope, ça. Si t'en veux pas de la bêta, tu me la refiles. Hein. Mais je peux pas, parce que si je prends la bêta, faut que j'écrive un test. Enfin, une preview au moins. Mais je sais pas, je la sens, hein. Je sens pas bien, mais je verrai bien. Faut absolument les fumer vite. C'est avec les nouvelles boulettes bleues là, ils sont monstrueusement horribles. Ah donc ça c'est les nouveaux projectiles là qui explosent, se divisent, tournicotent. Hein, c'est... Y'a moyen d'avoir encore plus de monde à l'écran en même temps là ou pas? Ah puis du coup ils sont passés, je les aurais plus jamais là, c'est ça. Ouais du coup toi je disais Christophe, honnêtement là les boss ils se barrent trop vite quoi. Enfin, là ils ont fait un passage quoi, ils ont mis une vague, et ils sont partis, ils ont mis une deuxième vague et fini quoi. En gros, si t'as pas un DPS de port, tu peux pas les défoncer quoi. Enfin, j'aurais peut-être pu en avoir un à la limite, mais. Bon, bah voilà, bah du coup, c'était une 61, ça fait plaisir. Ah, il y a une boulette, les coups, c'est important. Il y a moyen qu'il y ait encore plus de monde, tu veux. Ah, bah je pense qu'en continuant à monter, on aura plus de monde, hein, mais. Oui, les boss se barrent trop vite. Ouais, clairement, là, ceux-là, ils sont. Bah, t'as à peine le temps de les voir, ils sont déjà partis, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à me filer, toi? Attends, il fait quoi celui-là? Il me fait plus 345 en armor avec de la navigation. Enfin, la navigation, je m'en fous un peu, mais. Je perdrai un petit peu de vie. Je gagne du bouclier. Et surtout, je gagne beaucoup en armor quand même. Alors, en même temps, c'est pas normal, c'est en 60, c'est en level 39, donc bon. C'est quoi, c'est un minigun que j'ai? Je peux avoir un minigun qui tape 1751 en plus? Ah non, mais en magnétique, mais non, mais faut arrêter avec le magnétique, messieurs. Alors, il fait quoi celui-là? Ah non, mais les chances de faire l'auto-retreat, donc non, c'est pas possible. Ok. Ils sont timides, c'est ça, ouais. Ah oui, pardon, et tu demandais. D'accord, en fait, je croyais que tu étais encore sur les shaders, Alex, quand tu parlais des couleurs. Non, non, mais oui, en jeu, t'as différents types de dégâts, ouais. Parce que. Et d'ailleurs, tu peux voir ta résiste ici, hein.
Quand tu vas là, toi, tu peux voir tes résistes. Donc là, j'ai 172 en plasma résiste, 331 en magnétique. Puis bon, bah, en antimatière, pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. Donc en gros, il vaut mieux que je prenne les boulettes bleues, ça va, je peux bien les tanker, quoi. Ouais, c'est vrai que la prévue des armes, ça pourrait être sympa, ouais. T'as l'air scié, ça, dans le Revider maintenant, et c'est vraiment bien, ça. Faut que je reteste avec Kaz, d'ailleurs, dans Revider, là, j'ai vu qu'ils ont encore fait plein d'updates. Hein. Mais bon, en ce moment, là, je fais que du PoE, donc... D'ailleurs, hein, bah, tiens, je vais parler vite fait du planning, oh la vache. Donc, le planning, cette semaine, hein, donc... Quand je marque PoE, en fait, à chaque fois, ce sera sur PoEFR. Donc, du coup, bah, demain soir, donc du PoE. Mercredi soir, je ferai peut-être du Marvel Heroes, mais assez tard bah, sur ma chaîne, par contre. Jeudi, vendredi, donc du PoE. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ok, je vais recommencer. Du coup, je disais donc demain PoE, mercredi du Marvel Heroes assez tard. Jeudi, vendredi, du PoE, samedi, rien. Et dimanche, peut-être un peu de PoE sur l'heure à laquelle je me lève le matin. L'après-midi, je serai Battleborn. Et le soir, je ferai peut-être un petit peu de PoE aussi. Voilà. Mais du coup, PoE, c'est longtemps que j'ai pas joué pour de vrai. Mais là, je me suis bien remis. Et je m'éclate bien là, pour l'instant avec les nouvelles ligues, avec la ligue Prophétie. Là. Là, j'ai un petit Marauder level 71, je crois. Donc ça va, je suis bien content. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Mais non! Et je crois que c'est le moment où peut-être falloir que j'arrête là parce que je fais n'importe quoi. Bon, après, c'est aussi parce que je suis en 60 et quelques, hein, donc forcément, c'est plus dur, mais. C'est pas possible, j'ai fait exprès là. Il y a 6K quand ça? Ah, c'est vrai que là j'ai pas tardé à passer sur Marvel Heroes un petit peu. J'aime pas leur killer en fait. Il doit être pas loin d'11h30, je pense. 11h15 peut-être. Merde. Mais non, mais non. Ouais, je m'en vais. Ouais, 11h15, bon, ça va, il est pas trop tard. En même temps, je vais pas me coucher tard, parce que vu que demain c'est rejournée de merde, que je sais pas comment ça va se passer. Je préfère pas être. Oh non, le bouclier des pop. Je préfère être pas trop claqué, parce que quand c'est une journée pourrie, quand en plus t'es fatigué. Ça gonfle vraiment quoi. Putain, j'ai vu Prisma le 3, c'est la classe quoi. Alors par contre ce que je viens de faire c'est absolument n'importe quoi. Je vais me retrouver bloqué dans mon coin d'écran là. D'ailleurs vous y allez dans quel contexte à le 3 en fait, vous avez un éditeur ou comment ça se passe? Là, mais ta mère! Ah, j'ai. Oui, non, d'accord. Mais. Oui, mais c'était pas vraiment sa maman quand même. Bon, allez, une dernière. Une dernière. Allez, dernier essai en 61. Putain, je l'ai passé une fois, mais depuis, c'est pas possible quoi.
On a un propulseur d'indé qui nous a remarqué au Stunfest, qui nous y emmène pour nous trouver un potentiel éditeur aux US. D'accord, c'est cool ça. C'est cool, hein. D'ailleurs, pour Prism, vous avez une vague date de sortie ou pas spécialement? Enfin, quand je dis vague, c'est 2016 ou il n'y a pas encore de. J'aime bien les vagues là comme ça qui rebondissent quand on tire dessus, c'est vraiment chouette ça. Bien joué. Eh mais pourquoi encore cette vague? Ah, je suis bloqué, je vais me faire toucher, voilà. Ah, tout à fait, vague 2016, pour l'Early Access, on fait tout pour sortir ça d'ici la fin de l'été, d'accord. Mais je ferai pas trop avancer, c'est un terrain glissant. Ah merde, faut que j'y aille. Ah putain, je suis en retard. Ah là là, ah, j'ai fait n'importe quoi. Ah bah là, je suis pas bien. Ouais, c'est quoi WA? C'est WA, c'est Rage Quit. Ça. Ah bah non, c'est bon. Du hangar placé en arrière-plan qui sont apparus devant d'autres là. D'accord. Hop là. Et on peut commencer à avoir des selles qui font encore plus de dégâts, quoi, c'est bon ça. Ouais, c'est pas mal ça. Plus 1700 au DPS. Ah, je perds de la struct, merde, ça fait chier ça. Ah, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait plus 17 en 18 en structure et pas 18 en navigation, quoi. Ça c'est embêtant quand même. C'est dommage, celui-là était vraiment bien, quoi. Mais
Le problème, c'est si je perds 17 en structure. Ouais, Christophe est d'équipe. Hein. Wow. Ça, c'est dommage, je fais une plaque navigation parce que sinon elle était violente celle-là. Ah, en tout cas, une chose est sûre, il faut que je ferme la difficulté là, hein, pour avoir du matos 60. Ah, ils sont tout pourris, mais c'est plus que j'ai. Enfin, le premier surtout. Ah non, 12% de chance de péter un autoretreat, oh merde. Non, bah non. Allez, bah écoutez, moi, ça. Ouais, ça fait un peu moins d'une heure et demie. Allez, un petit dernier, allez. Allez, le petit dernier pour le beau jeu. Ah, c'est le numéro, t'as là, j'étais. Je vous ai vu, mais j'ai pas eu le temps de faire tout l'étage indé. Ouais, mais c'est clair que vraiment le sample a tellement de trucs à voir a priori que ça a l'air compliqué quoi. J'étais un peu triste de pas y aller, mais en même temps, j'ai pu voir les tournois. Enfin, en même temps, même pas, j'aime pas trop pu voir non plus, il y a mes parents qui étaient à la maison. Mais je pense que j'en ai plus vu en étant chez moi que si j'étais allé sur place quoi. N'importe quoi. La prise, mais il est vraiment rigolo, hein, le concept du jeu est vraiment sympa. Hein. J'avais streamé il n'y a pas si longtemps que ça, Christophe, si tu veux voir dans mes replays, si tu veux dans Prism, c'est la dernière version, enfin la dernière version. C'était une des dernières versions et non, c'était plutôt cool. Ouais. J'ai streamé ça, je sais pas, il y a peut-être 2 mois. Ouais. Je sais plus. Ça passe. Pas mal de taf. Ah, de toute façon, ouais, puis je crois que les jeux vidéo c'est le genre de truc où c'est jamais fini, entre guillemets, quoi. D'ailleurs, il y a Season After Fall là qui commence à s'approcher de plus en plus, ça. Non, mais non, mais non, mais non! Zut de zut! Entre. Oh là là. Là, j'ai mal timé mon bouclier, je pensais que je pouvais passer en fait, non. Ouais, j'espère qu'il sera cool ce jeu. D'accord, Sika, hein, c'est marrant. Ça. En tout cas, j'ai enfin fait Black Vat Matter, il est absolument génial. Il est vraiment, vraiment génial. Hein.
Ah mais faut arrêter avec cette vague là, elle est... Putain et du coup on se retrouve bloqué parce qu'on peut pas passer par au-dessus et... En fait c'est galère parce que là les trucs, le W en fait, vous pouvez passer ni en haut ni en bas en fait. Vous êtes vraiment obligé de passer au milieu donc... Ouah! Ah, il m'a crucifié avec la boulette bleue quoi. Là je vais pas les péter, j'attends qu'ils se barrent hein, parce que, il y en a trop. Allez poussez-vous. J'aurais pas dû faire ça. Mais ouais. Eh oui, évidemment, évidemment, évidemment. Ouais, je m'arrêtais sur ce magnifique fail. J'ai passé sur du Merval. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire sur Merval et...